La ville retrouve sa tradition et remet à l'honneur le bal du carnaval, honoré par la présence du roi Zizi Ier et des reines de Saint-Herblain, ainsi que des majestés du Pèlerin et du canton de Savenay. Soirée inoubliable animée par l'Orchestre international David Kent. Merci. Et moi, je suis très très heureuse de venir à ce premier bal costumé 1991 organisé par un comité des fêtes extrêmement dynamique à Saint-Nazaire. Et je remercie aussi surtout notre président Jean-Claude Bodin et son vice-président Jackie Henry, mais surtout, surtout tous les bénévoles qui travaillent beaucoup, beaucoup au sein du comité des fêtes. Ils sont là dans le noir, je ne les vois pas, mais je vous assure qu'on pense beaucoup à vous. Sans vous, cette soirée ne serait pas réussie. Fête populaire par excellence, le 14 juillet ne serait pas ce qu'il est sans le travail des nombreux bénévoles du comité Culture Eiffel. C'est grâce à eux que la foule a pu, le soir venu, célébrer dans la Liesse la fête nationale. De la mer, le comité culture et fête a installé son chapiteau restauration. Fruits de mer, coquillages, poissons, tous les produits de la région ont été appréciés par le public qui a aussi aimé la chaude ambiance régnant au sein des bénévoles. Monsieur le maire, messieurs et mesdames les maires adjoints, monsieur le directeur des chantiers,
messieurs les chefs de service, messieurs les présidents d'association, chers amis, quand un rêve devient réalité, c'est magnifique. Renouer avec les grandes traditions portuaires en organisant une grande fête populaire à l'occasion du départ du plus grand paquebot du monde, c'est féerique. Le mardi 15 octobre 1991 sera une date importante dans l'histoire de la construction navale et de Saint-Nazaire, puisque en guise d'adieu, le port retrouvera le temps d'une soirée des allures de fête. Saint-Nazaire et la mer, c'est une longue histoire. L'histoire de notre cité, celle des bâtisseurs et d'une population en tradition portuaire. Je remercierai vivement l'étroite collaboration avec la direction des chantiers de l'Atlantique, avec M. Dravé, responsable de la communication. Je remercierai aussi M. le maire et l'administration municipale, Marie-Hélène Deloubier, M. Alain Métard, directeur de l'action culturelle, le collectif d'animation de la Maison des quartiers de Calédé et son président Jean-Claude Héroux, Madame la directrice de la Maison des quartiers de Calédé, Georges Levallois, à mes côtés, et Gilles, qui est parmi nous, qui ont fait un travail considérable. Je remercie aussi Monsieur le Président de l'Amicale Radio Assistance au Secours et de l'Amicale Donneur de Sang de l'apprécier concours. Béatrice Tourangeau du service communication, je te remercie infiniment de l'aide que tu as pu nous apporter pour cette exposition. À vous. Le commandant Dieu, je vous en prie. Allez, le commandant de Rouen, le port autonome et toutes les administrations du port, les services municipaux, et tous nos amis bénévoles du comité culture et fête qui se dépassent sans compter. Le mardi 15 octobre 1991 restera une date importante dans l'histoire de la navale nazérienne. Le comité culture et fête et les chantiers de l'Atlantique fêtent le départ du monarque, glissant dans l'estuaire illuminé, salant la ville de son champ de tyrannie. Des gerbes multicolores s'élèvent des jetées, du port, du vieux môme, tous dans leur habit de lumière. C'est grandiose. 40 à 60 000 personnes ont applaudi cette féerie. Sous un ciel clément, la fête populaire bat son plein. Les échos celtiques du Bagad de Saint-Nazaire et les chansons de marins du groupe Retour sont ovationnés. Toute une ville est là, fière, émue, s'identifiant au travail des ouvriers de son chantier naval, sa raison d'exister. La fête s'achève par un grand bal populaire. Thank you.
malgré un départ retardé par la tempête, les skippers et tous les participants de l'édition 91 de la course Lagoule-Dakar se souviendront de l'accueil que leur a réservé Saint-Nazaire. Les points d'orgue de ces animations, un grand spectacle avec Hubert Félix Stephen et pendant toute la semaine, un regard rythmé par les chants et danses du Sénégal. Pont-sur-Sambre accompagne le Père Noël qui remonte de la gare à l'hôtel de ville sur le bac du pèlerin. Un beau carrosse pour ce vieil homme à barbe blanche, précédé par la musique tonique des Gilles dont les sabots résonnent sur le parcours. Bonbons, oranges pleuvent tout au long du défilé pour le plus grand bonheur des enfants et de la foule qui a envahi le centre-ville en cette veille de Noël. Remercier l'ensemble des bénévoles de ce comité des fêtes qui œuvrent, et Dieu sait s'ils ont travaillé, et particulièrement cette année, pour l'animation de cette ville. Cette année, riche en événements, le dernier en date, la Lagoule-Dakar, mais je crois que ce que j'ai le plus en mémoire, moi, c'est le départ du bateau. Et je crois qu'il est important de vous féliciter, de vous en remercier pour tout le travail que vous avez pu faire, à la fois pour cette fois-là, le départ de Monaco, mais aussi pour toutes les manifestations de la ville. J'espère que vous continuerez, qu'on continuera ensemble l'année prochaine à animer et à provoquer des événements pour le bonheur de tous et pour notre grande joie à nous déjà. Voilà, je vous remercie. Réunis au fort de Villès, les bénévoles du comité culture et fêtes et leurs familles se retrouvent autour d'un repas bien mérité. En 1991, ils nous ont offert de grands moments de bonheur. Sans eux, les Nazériens perdraient peut-être le goût de la fête.